Ça doit être là, en principe, ouais, je pense, Fredo, c'est pas marqué. C'est pas ouvert. Ah. Ah bah attends, le gardien, il va arriver. S'il veut, s'il va arriver. S'il veut, tu ouvriras les gardiens de messieurs visiteurs. En fait, je suis à la base éducateur. Éducateur. J'étais en U17DH l'année dernière. J'avais en charge les 17 ans DH et les 16 ans DH. Et par rapport à la proposition que Cyril m'a faite pour accompagner l'équipe de première, donc je l'ai suivi. Cette année, mon rôle, c'est d'être entre guillemets dirigeant, mais aussi au niveau technique, de suivre les joueurs adverses sur par exemple les copies arrêtées ou les corners. Et je dois étudier les stratégies de jeu des joueurs adverses. Pendant le match. Pendant le match. Et à la mi-temps, tout ce que j'ai retranscrit, je le donne à Cyril. Et Cyril étudie ça assez rapidement pour donner les informations à la mi-temps pour faire progresser l'équipe dans les problèmes qu'on a eu en première mi-temps. D'accord. L'enjeu ne doit pas dépasser le jeu, tout simplement parce que sinon, l'un n'arrivera pas sans l'autre. Deuxième match de championnat, l'enjeu du match, on le connaît tous. Déjà le premier, c'est d'enchaîner une quatrième victoire consécutive. Montrer une stabilité défensive face à la meilleure attaque du championnat, c'est un derby, il ne faut pas l'oublier, c'est un derby. Et aujourd'hui, on doit marquer les esprits. Je vais être clair. L'objectif du match aujourd'hui, c'est de marquer les esprits. Si on tape le premier, si on tape le leader, on va
ta ville, sur la dernière, peu importe, on s'en fout. Aujourd'hui, si on tape le leader, on marque les esprits. Et ça doit être le leitmotiv que vous devez avoir tous sur le terrain. Forcément, montrer une force mentale à l'effort. Montrer une force mentale à l'effort, une résistance au stress et à l'intimidation. Ok ? On sait très bien, les matchs les plus, on va dire, les plus durs pour nous ont basculé sur des faits de jeu. Aujourd'hui, l'enjeu, comme je vous l'ai dit, il ne doit pas dépasser le jeu. Et s'il y en a un qui n'est pas capable de jouer vite, poser le ballon, jouer vite, s'il y en a un qui est capable de, comme on l'a vu sur les vidéos, match d'Aï, match d'Amiens, etc., qui est plutôt en train de parler avec l'arbitre parce qu'il ne comprend pas pourquoi le coup franc est joué vite, on se met en difficulté. C'est les détails. C'est les détails qui font le match. Et si on reste concentré, il n'y a pas de problème. Techniquement, on sera supérieur. Tactiquement, je suis sûr qu'on le sera aussi. Ok ? Mais ces détails-là, de concentration, de fait de jeu, ils ont leur importance. L'adversaire, point fort. Donc, en général, ils jouent en 4-4-2 avec, on va dire, un numéro 10. Merci, Francis. Avec un numéro 10 qui est, on va dire, un 9,5, hein, Farid Zengour, qui part de loin, okay, qui se met entre deux lignes, qui essaie de demander le ballon dans les pieds. Baptiste Fleureau qui fait la course curviligne entre l'axial droit, on l'a vu hier, et latéral droit. Donc, supprimer la profondeur à la récupération de ce joueur. D'accord, Sam, Jérémy, on sait. Surtout Sam, il risque d'être dans ton secteur entre toi et Emric. Donc, ça veut dire que Emric aussi, il faut avoir un œil sur ce mec-là à l'intérieur. Hein, surveiller aussi ses courses. Parce que tu peux très bien aussi venir fermer l'intervalle. Surveiller les courses de loin de Zengour, notamment sur les deuxièmes ballons. Ben Kalfala à la récup. Plus intimidation, on sait, Flo, je t'annonce tout de suite la couleur. Il est pas fou, il te connaît, tu le connais. C'est celui des deux qui t'a donné ton jeu. C'est clair ? Point faible, espace entre les lignes des attaquants et des milieux. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Flo, quand tu viens chercher le ballon en équier, on l'a fait dans les cheminements, Youssef, quand tu viens chercher le ballon en équier, vous allez voir un petit peu d'espace devant vous. Ok ? Je peux me tromper, ça va peut-être pas se passer comme ça, mais au match aller, c'était comme ça. Et sur ce que j'ai vu il y a deux semaines, c'était plus simple. Donc, vous allez avoir l'occasion d'avancer un peu. Mais je ne veux pas qu'on soit latéral. Écoutez bien, ça c'est important, je ne veux pas qu'on joue latéral. En difficulté sur les maîtrises collectives, donc comme je viens de le dire, sur le jeu rythmé vers l'avant et arrière-gauche, que ce soit l'un ou l'autre, en difficulté sur les joueurs qui percutent. Donc ça veut dire quoi ? Pour nous, d'un point de vue défensif, Martin, je te rappelle, tu vas chercher les pieds droits du cateau, tu vas le fermer, tu vas faire le jeu tout de suite. Mathieu, tu te prépares à fermer l'intérieur, tu vas chercher le deuxième axial. Zone presse, Youssef Flo, je vais être clair, c'est l'une des clés du match. C'est l'une des clés du match. Votre capacité, tous les deux, Youssef et Flo, à récupérer le ballon dans votre zone. Si vous êtes fort, on sera fort. Ok ? Dans l'impact. Fermez le couloir, Renato, Ted, boosté par Amat et Emric, comme d'habitude. Hein, important, et Amat continue de communiquer à Renato. Emric, encore plus avec Ted, d'accord ? Il faut vraiment qu'il vienne fermer le couloir pour empêcher les deux de prendre l'espace. Latéraux d'abord en place, ok, début de match comme d'habitude. On reste d'abord en place, on voit comment ça évolue, si vous pouvez y aller un petit peu plus. Action, on anticipe jeu profond, on vient de le dire. Coup franc défensif, catastrophique la semaine dernière. On se regarde tous dans les yeux, catastrophique. Coup de pied arrêté défensif, catastrophique. Aucun suivi des courses. Des joueurs qui arrivent deuxième poteau, seuls. Seuls. On ne peut pas se permettre. Pas de cheminement trop latéral, c'est ce que je voulais vous dire avant. Donc là, Sam, Jérémy, c'est vous qui êtes responsable de ça. Si on est trop latéral, il y a un moment, on va se faire fermer, ils vont avancer. Et ça ne va pas être ce qu'on veut. Je ne veux pas qu'ils avancent. D'accord ? Donc essayez d'aller vers là. On ne veut pas qu'ils avancent, on ne veut pas les forcer à avancer. Donc n'hésitez pas, vous trouvez les milieux de terrain, ou vous allez voir plus loin. Martin, sur tout ce qui est jeu long, on va le voir au niveau offensif. Je veux que tu essaies de te mettre plutôt de l'autre côté, pas du côté du plateau, mais de l'autre côté. Donc si vrai, situation de dégager, tu te mets sur l'autre axial. Okay. Équilibre, Flo Youssef dans les attaques. Pareil pour les latéraux, je ne vais pas signaler, mais ça c'est une évidence. Profondeur, si tu peux, Martin, tu pars entre deux comme on l'a fait hier. Tu t'appuies, tu repars, tu refais une reprise d'appel. Et ça, au niveau offensif, au sol.